Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce mardi 18 avril avec Émilie, Sandrine, Pierre, Patrick, Mohamed et Mathieu. Salut à tous les six. Bonsoir, Mohamed. Émilie, votre choix de l'actu ce soir. Tant qu'on aime, on est heureux. Le bonheur, c'est Pone qui en parle le mieux. Pone, c'est Guilhem Gallard de son vrai nom, membre de la mythique Funky Family, qui est aujourd'hui atteint de la maladie de Charcot, qui voit et qui publie un livre un peu plus loin. Voilà, malgré cette maladie qui le paralyse totalement, il écrit un livre à la force de ses pupilles. Son épouse, Weiba Gallard, sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story. Je vous parle ce soir d'une histoire incroyable, un miracle, le sauvetage exceptionnel d'une skieuse ensevelie sous 1,50 m de neige dans une petite cabane de 4 mètres carrés. Et ça se passe tout près de Grenoble, dans le massif de la Belle Donne. Et vous avez recueilli le témoignage de cette skieuse courageuse. Patrick, votre édito. Les politiques face à la justice. Le maire de Toulon, Hubert Falco, vient d'être déchu de ses mandats sans possibilité de recours. Et je vais vous expliquer pourquoi on peut parler d'une justice à deux vitesses. On en parle avec notre invité Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, ministre délégué en charge du renouveau démocratique. Merci de votre présence ce soir. Bonsoir, bonsoir à tous. Pour assurer ce qu'on appelle le SAV, le service après-vente, après l'allocution présidentielle. 13 minutes hier en direct à la télévision. Mathieu dans le 5 sur 5. Vous avez peut-être vu cette vidéo sur Internet dans l'après-midi. Quelques temps après son allocution, le président de la République et son épouse se sont promenés dans Paris. Ils ont chanté, je vais vous dire ce qu'ils ont chanté et avec qui. Et pourquoi éventuellement ça pose question ? Et pourquoi ça pose question, bien sûr. On fera réagir évidemment notre invité. Pierre, dans votre œil ? Sur l'Adamant, c'est le nouveau film documentaire de Nicolas Philibert. Sur l'Adamant, c'est une péniche qui est amarrée en quai de Seine et où on soigne des malades en psychiatrie. Le film a été couronné par l'Ours d'Or vers la Palme à Berlin. En février dernier, il sort demain à Paris, je vous le présente. Notre invitée après 20h, Marie-Christine Barrault, la comédienne qui se souvient dans un livre de ses chers disparus. Roger Vadim, son dernier mari, ou encore Daniel Toscan-Duplantier, son oncle Jean-Louis Barrault. C'est un merveilleux livre. Si tu savais, c'est merveilleux. Elle est avec nous à partir de 20h et elle vous a inspiré, Sandrine. Absolument, et moi je vais vous parler d'harmonie du couple. Ah, ouais. Bon, vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi. Ça s'applique pour tout le monde. Oui. Et puis on est heureux de recevoir sur la scène de C'est à vous Émilie Simon, cette incroyable musicienne et chanteuse qui fête les 20 ans de son premier album, qu'elle revisite pour l'occasion. Voilà pour le programme qui se complète avec le menu de notre chef de la semaine, Christian Tête-Doie, le président des maîtres cuisiniers de France. Il est à la tête de son restaurant à Lyon et il est aux côtés de Bertrand Chamerois. Salut à tous les deux. Salut Babette, bonsoir à tous. Olivier Véran, j'espère que vous savez ce que vous allez raconter dans quelques minutes à toute l'équipe, parce que le week-end dernier au Conseil National de Renaissance, c'était pas ça. Alors je vais appeler, alors il le sait pas, je vais envoyer un message, mais comme il a pas lu son portable, je vais appeler Olivier Véran à mes côtés. Ah, ça commence bien. Alors ce soir c'est différent, vous n'écoutez pas seulement, vous parlez également, mais rassurez-vous, vous avez le temps que le chef, notre chef, détaille le menu du soir pour préparer votre intervention. Au menu ce soir, chef. Ce soir on va faire du poireau et donc j'ai fait une sauce assez exceptionnelle avec de l'huile de poireau parce que c'est une recette responsable, donc on utilise le poireau dans la totalité. Fantastique, merci beaucoup, bonne émission Babette. Merci beaucoup à tous les deux et à tout à l'heure pour l'intégralité du poireau dans les assiettes de nos invités. Plus de 15 millions de Français étaient devant leur télévision hier soir à 20h pour écouter Emmanuel Macron qui prenait la parole deux jours seulement après avoir promulgué dans la nuit de vendredi à samedi la loi sur la réforme des retraites. D'autres préféraient ne pas l'entendre et étaient dans les rues avec des casseroles pour faire un maximum de bruit et couvrir les 13 minutes de l'allocution présidentielle. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Le Conseil constitutionnel a validé, pour l'essentiel, la loi sur nos retraites et je l'ai donc logiquement promulguée. Le but, c'est de faire du bruit pour pas qu'on l'écoute, parce que ce qu'il a à dire en ce moment, ça vous intéresse plus. Macron veut pas nous écouter, alors on l'écoutera pas non plus. Cette réforme est-elle acceptée ? À l'évidence, non. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique. Il y a un espèce de vide dans l'intervention du président de la République. Sur quelle planète vit Emmanuel Macron ? Cette allocution aurait pu être faite par ChatGPT. J'ai proposé de recevoir les organisations patronales et syndicales et la porte sera toujours ouverte. Sa porte jusque-là, elle était très fermée quand même. Donc là, pour l'instant, nous on mobilise pour le 1er mai. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent
par le dialogue social. Avec quelle méthode? Est-ce que c'est, comme trop souvent, en nous présentant une feuille, en nous demandant de l'amender à la marge? Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est une référence historique qui est étrange. Tout le monde sait que les 100 jours ont fini en débâcle. Les 100 jours, c'est grave. Ça se termine à Waterloo, à Sainte-Hélène. Il était le président des riches. Il devient un président autoritaire et maintenant le président d'une France appauvrie. Et c'est ça ce que les Français ont entendu hier. Vive la République et vive la France. Une allocation avec un chiffre magique, 100 jours pour relancer un quinquennat, mais le chiffre qu'on retient, c'est les 2 minutes seulement montre en main pour évoquer la réforme des retraites. Est-ce que ça veut dire que vous considérez, que le président de la République considère que la page est tournée, affaire classée, circulée, il n'y a plus rien à voir? D'abord, la parole du président, elle était très attendue. Après la période que nous avons vécue, après la validation et la promulgation de la loi retraite. Elle était attendue sur la réforme des retraites, auquel il a consacré 2 minutes. Pardonnez-moi, je crois que justement ce serait faire erreur que de considérer que les Français n'attendent le président de la République que sur la question des retraites. Parce que ce que les Français nous disent au quotidien, c'est que la vie est chère, c'est qu'ils ont du mal à faire leurs courses, qu'ils ont du mal à faire le plein d'essence, que la facture d'électricité a pu augmenter pour eux. Ils nous disent aussi les Français qu'ils veulent retrouver... une santé comme avant, un système de santé comme avant, une école meilleure qu'avant, qui veut que ce ne soient pas toujours les mêmes qui fassent les efforts pour les autres. Mais vous donc, ont dit aussi ces que vous voulez qui pas sont cette importants. Réforme des retraites. Mais, vous m'interrogez d'abord pour savoir si est-ce que le président aurait dû exclusivement parler de la question des retraites. C'est, est-ce que vous considérez que la page est tournée? Mais je pense que la page dans l'histoire sociale du pays, nous verrons. Est-ce qu'il y aura encore des mouvements probablement d'ici au 1er mai? En tout cas, les syndicats ont appelé à ce qu'il y ait d'autres mouvements. Et la page législative, elle est derrière nous. On attend maintenant un dernier retour du Conseil constitutionnel pour une demande, la deuxième demande de référendum d'initiative populaire. Et la loi, elle a vocation à s'appliquer. Maintenant, la page, elle n'est pas tournée non plus dans la mesure où la loi n'est qu'une partition et les notes de musique qui en sortent, c'est ce qu'on appelle les décrets, c'est ce qui va concrètement changer les choses pour le travail, pour les gens. Et ça, ces décrets, on a besoin de travailler, on a besoin des syndicats, besoin de travailler avec donc eux ça pourrait pour changer. Que l'application soit la plus correcte possible, notamment quand on parle du milliard d'euros pour la pénibilité ou quand on parle des dispositifs qui sont prévus pour les carrières longues, etc. Ça veut dire qu'il peut y avoir des surprises d'ici la publication des décrets? Ben, la loi, elle dit la loi par définition. Par contre, la manière dont on va l'appliquer, la méthode, quelles sont les branches professionnelles qui vont être concernées, comment est-ce qu'on va traiter la question de l'invalidité, au-delà des principes qui sont fixés dans la loi, cette application pratique, elle nécessite une négociation serrée, continue et je pense apaisée pour le coup avec les syndicats sur tous ces sujets-là. Mais les syndicats ont refusé aujourd'hui l'invitation du président de la République à l'Élysée. Avec qui allez-vous discuter? Les syndicats, seules les organisations patronales ont accepté le rendez-vous. Les syndicats salariés ont demandé un peu de temps. Un délai de décence, dit Laurent Berger. Il faut demander un petit peu de temps après la promulgation de la loi pour revenir, pour parler non seulement de l'application de la loi retraite, mais aussi parler de tout le reste. Et d'ailleurs, j'ai entendu Laurent Berger qui parle lui-même des fins de carrière, de l'organisation du travail, de la qualité de vie au travail, de la santé au travail. Et nous, on est d'accord pour parler de ces sujets-là. Et c'est pour ça que le président de la République dit aux syndicats, écoutez, OK, moi je vous propose sans délai de venir. Si vous voulez un peu de temps, prenez un peu de temps. Venez, la porte est ouverte, il faut qu'on avance. Mais ce n'est pas juste un problème de rendez-vous, d'agenda ou de temps passé. C'est un problème de défiance et de confiance. Vous voulez discuter du travail. Les syndicats, pour l'instant, ne veulent pas vous parler. Vous promettez de changer l'école. Les enseignants ne vous croient pas. Vous annoncez un texte fort sur l'immigration qui passerait avec un accord avec la droite. LR a déjà fait savoir qu'ils allaient monter les enchères. Vous promettez de désengorger les urgences à l'hôpital. Les professionnels sont très sceptiques. C'est le problème de l'amour et des preuves d'amour. Comment avancer dans ce chantier, dans ces chantiers présentés par le président Macron avec un tel niveau de défiance et de façon aussi générale dans le pays? Vous parlez de preuves d'amour, Patrick Cohen. On ne commence pas le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Les 100 jours, ce n'est pas 100 jours pour démarrer un mandat, d'accord? Les 100 jours, c'est 100 jours pour organiser l'agenda parlementaire, l'agenda réglementaire, et mettre tout le monde en marche, les forces politiques, mais aussi les forces sociales de notre pays et les collectivités locales, pour répondre aux priorités des Français. Vous parlez de preuve d'amour? Je vais vous en donner, en fait. Le président de la République, il y a 6 ans, il avait promis de faire reculer le chômage. Tout le monde disait, mais comment vous voulez faire reculer le chômage? Souvenez-vous des lois qui sont passées, on nous attaquait en disant, mais ces lois ne sont pas sociales, elles ne seront pas efficaces. Résultat des courses, on est en train d'arriver vers le plein emploi.
Il y a 6 ans, le président disait « Vous allez voir, les impôts sont trop élevés dans notre pays, on va le baisser pour les entreprises et pour les Français. » 6 ans après, on a réduit les impôts pour les Français, on a réduit les impôts pour les entreprises. Donc les preuves d'amour, il y en a, et notre bilan, il est là, et on est aussi là pour le porter, pour expliquer aux Français ce qui a pu changer. Je suis désolé, mais quand le président s'engageait pendant la première campagne, et il en a parlé hier soir, et c'est important, à faire en sorte que les Français ne renoncent plus aux soins pour bien voir, pour bien manger ou pour bien entendre, et que 6 ans après, vous avez 11 millions de Français qui ne payent plus pour ces soins-là et qui ne sont plus obligés d'y renoncer, ce sont des preuves d'amour. Donc ce que nous disons, et ce que le président de la République dit hier soir, c'est qu'il y a encore évidemment beaucoup à faire, parce que depuis le premier mandat, il y a cette inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Il y a eu la crise Covid qui rebat et qui redistribue les cartes de la manière dont on conçoit notre vie professionnelle. Comment est-ce qu'on doit penser le travail? Et la crise de la réforme des retraites. Et pour tout cela, on est de bonne volonté. D'avoir été en grande partie brutalisé. Voilà, c'est la question aujourd'hui. Mais, et pas écouté. Vous avez la question des retraites, avec une question dans la réforme des retraites qui est la question principale, certes, mais qui est un des points, un des aspects de la réforme, qui est le recul progressif de l'âge. Ça a été assumé, nous l'assumons parce que c'est une réforme, certes difficile, mais nécessaire. Je propose, enfin, on peut en reparler autant que vous le souhaitez, il n'y a pas de problème pour cela. Mais au-delà de cette réforme des retraites qui nous permet d'assainir nos finances publiques, qui nous évite, dans la durée, de devoir continuer à emprunter des milliards d'euros sur les marchés internationaux pour payer des dépenses courantes et faire peser cette dette sur les générations à venir, ce choix politique que nous avons fait et que nous assumons, il ne nous empêche pas du tout d'aborder, à côté de cette question des retraites, tout ce qui concerne les Français dans leur quotidien. Et c'est ce que j'ai entendu hier dans l'allocution du président, et c'est ce que nous voulons mettre en œuvre. Et quand le président nous donne 100 jours, il donne 100 jours au gouvernement pour pouvoir mettre tout le pays en action pour apporter déjà des premiers résultats concrets aux Français. Mais ce que je dis, ce n'est pas le début d'un mandat. On est dans la continuité de l'action. On ne change pas le cap qui a été donné par le président de la République. Par contre, on veut accélérer sur tout ce qui peut simplifier la vie des gens. Ce que nous vivons là, c'est la répétition des gilets jaunes, mais en beaucoup plus grave. Aujourd'hui, il y a ce même sentiment de ne pas être écouté. Constat signé de l'historien et professeur au Collège de France, Pierre-Rosan Vallon, qui considère que nous sommes en train de traverser, depuis la fin du conflit algérien, la crise démocratique la plus grave que la France ait connue. Crise démocratique, c'est aussi l'expression qu'avait employée Laurent Berger. Vous lui répondez quoi? Moi, je ne crois pas à la crise démocratique. Par contre, je suis convaincu qu'il y a une crise de confiance. Une crise de confiance dans nos institutions, une crise de confiance dans la classe politique. C'est d'ailleurs la thèse de Pierre-Rosan Vallon, pour qui j'ai beaucoup de respect depuis 25 ans, qui écrit sur la défiance vis-à-vis de la représentation politique. Elle ne date pas d'aujourd'hui, personne ne peut dire cela. Elle n'est pas franco-française. Regardez autour de nous, il y a de la défiance contre les élus. Aujourd'hui, sitôt élu, il y a l'encre du bulletin de vote n'est pas encore elle sèche. Est pas Macron, vous êtes déjà délégitimé. Cette défiance. Elle n'est pas macro-macronienne, elle revient, elle remonte déjà, elle a concerné ceux qui nous ont précédés, elle concernera aussi ceux qui nous ont succédés. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est important qu'il y ait de la confiance, parce que là où il n'y a pas de la confiance, c'est aussi la thèse de Pierre-Rosan Vallon, il y a de l'abstention et du vote pour les extrêmes. Et je partage avec lui la volonté de ne pas en arriver là. Vous aurez noté que j'ai un intitulé qui n'est pas toujours simple à porter quand on parle de 49.3, mais qui est ministre du renouveau démocratique. Si le président a souhaité qu'il y ait un ministre en charge de ces questions, c'est aussi pour qu'on puisse innover en matière démocratique. Et là encore, des preuves d'amour, Patrick Cohen. La convention citoyenne sur la fin de vie, ça n'existait pas, les conventions citoyennes, avant Emmanuel Macron. On a confié le soin à des Français tirés au sort, venus de tous horizons. Espérons que celle-ci marche mieux que la précédente, quoi. Bah, écoutez, celle de la précédente, on peut en parler. Tout n'a pas été appliqué, mais c'est aujourd'hui. Elle laisse un goût amer à un certain nombre de ses participants. Vous savez, elle laisse un goût amer aujourd'hui à des Français qui voient arriver des décisions prises par la convention citoyenne et qui les percutent dans leur quotidien, comme les zones à faible émission, la fin des plastiques à usage unique et bientôt la fin des voitures thermiques en vente dans notre pays et sur le continent européen. Donc elle a produit des effets. Bref, vous voyez ces méthodes, ou la méthode, ce qu'on appelle les conseils nationaux de la refondation, on en parle assez peu à Paris, mais je peux vous dire que dans les territoires en province, quand vous avez des centaines de Français qui se réunissent à l'échelle d'un village pour parler de l'avenir de leur école ou de l'organisation du système de santé, c'est ce qu'on appelle la démocratie délibérative, chère à Pierre-Rosan Vallon, et je lui dis, regardez ce que nous faisons, accompagnez-nous. Il faut 100 jours, donc, en tout cas Emmanuel Macron s'est donné 100 jours pour rétablir cette crise de confiance. Ce matin, à la sortie de l'Élysée, le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, a émis quelques réserves quand même sur ce délai. C'est au micro de Louis Amar et Audrey Payas. Moi, j'ai réaffirmé que 100 jours, c'était trop court pour arriver à des conclusions et avoir le temps de la négociation. On ne sait pas faire plus vite. Voilà, alors on peut trouver ça un peu lent, hein, mais en même temps, je pense que le pays gagne à ce que des accords soient signés par le patronat et le syndicat. Ça peut marcher, alors pas sur tout, hein, on n'aurait pas été d'accord sur les retraites, hein, chacun le sait. On avait des vues différentes, mais je pense qu'il y a un ensemble de sujets qu'on peut prendre. 100
100 jours, ça risque d'être trop court. Hier soir, Emmanuel Macron laissait entendre que sa porte serait toujours ouverte aux syndicats. Mais ce matin, il donnait aux partenaires sociaux jusqu'à la fin de l'année pour trouver un pacte sur de la vie au travail. C'était un ultimatum. Vous n'avez pas peur d'y aller à marche forcée, encore une fois ? Mais est-ce qu'il y a urgence à apporter des réponses, encore une fois, aux problèmes des Français, à ces premières et ces deuxièmes lignes qu'on a vues pendant le Covid et dont la vie n'a pas changé depuis la fin du Covid parce qu'ils ne peuvent pas télétravailler, par exemple. Est-ce qu'il y a urgence à apporter une solution au problème de l'emploi des seniors, dont on a beaucoup parlé pendant la réforme des retraites ? Est-ce qu'il y a une urgence à apporter à cette question de la pénibilité et de ces vies qui sont brisées par des métiers qui sont difficiles, physiques, et on se retrouve à leur dire, bah, au moment de partir à la retraite, c'est dommage, il aurait fallu faire autrement. Donc il y a l'essence, il va falloir qu'il dure trop longtemps. Ça ne veut pas dire. Alors, d'abord, pour éclaircir les choses, moi, je n'ai pas du tout entendu les 100 jours comme il faut avoir tout fait en 100 jours. Par contre, il faut avoir engagé tout ce qui peut l'être dans la période à venir pour qu'on puisse avancer et répondre aux attentes urgentes, elles, des Français. Donc je rassure Geoffroy Roux de Bézieux, l'idée c'est de donner aussi le temps au dialogue, à la concertation. D'ailleurs, ils l'ont très bien fait. En pleine période des retraites, vous avez quand même le patronat et les salariés qui se sont retrouvés autour d'une table et qui ont passé un accord pour que dans toutes les entreprises de plus de 10 salariés, quand l'entreprise fait du bénéfice, les salariés en voient la couleur. Et nous, on a dit quoi ? On a dit, bah, écoutez, vous avez trouvé un accord, c'est magnifique, nous on va le mettre dans la loi, tel quel. On ne va pas l'y toucher, on le met dans la loi. Donc quand il y a des accords, quand le dialogue social fonctionne, quand chacun prend sa part de responsabilité, quand chacun, conscient des contraintes qui lui sont inhérentes, accepte de faire un pas vers l'autre, on obtient des jolis accords, on considère qu'on a vocation à avoir d'autres jolis accords sur des questions prioritaires pour les Français. Deuxième chantier profilé par le président de la République, rénover l'ordre républicain et démocratique. Il a notamment promis de renforcer le contrôle de l'immigration illégale. Ce matin, sur BFM TV, Bruno Le Maire a durci le ton sur la fraude en ciblant ceux qui envoient les aides sociales directement vers leur pays d'origine. Nos compatriotes, légitimement, en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qui le paye, c'est l'entrepreneur, c'est le salarié qui paye ces aides. Ce n'est pas mon argent, c'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. Ce n'est pas fait pour ça, le modèle social. Le modèle social est fait pour protéger les plus modestes, pour protéger contre les accidents de la vie tous nos compatriotes. Certainement pas pour envoyer de l'argent de manière illégale à l'étranger. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a tout de suite dénoncé une opération du gouvernement pour faire diversion et pour montrer du doigt les immigrés. On est plus dans le clivage que dans l'apaisement. Alors, sur ce sujet. Factuellement, ce qui est prévu est déjà décidé. C'est qu'à compter du 1er juillet, l'argent des prestations sociales ne pourront plus être versés sur des comptes à l'étranger lorsque ces comptes sont d'origine douteuse. D'accord ? Quand on n'est pas sûr que ça arrive bien à des personnes qui relèvent de ces prestations sociales. Ça, je crois que tout le monde peut être d'accord. Factuellement, ce qui est aussi prévu, c'est un grand plan de lutte contre la fraude, qu'on appelle la fraude du bas et la fraude du haut, c'est-à-dire la fraude sociale et la fraude fiscale, pour renforcer les moyens de l'État et avoir de nouvelles sanctions lorsqu'il y a des fraudes, toutes les fraudes, parce que c'est l'argent des contribuables. Qui n'est pas du tout de même ampleur. Et c'est... Dans les estimations, la fraude fiscale est infiniment supérieure à la fraude sociale. Oui, mais enfin, dès lors que vous fraudez de toute façon, oui. Vous êtes d'accord avec moi, on ne va pas dire que c'est moins grave. Ce ne sont pas les mêmes personnes, les mêmes catégories de personnes. Il n'y aura pas les mêmes niveaux de sanctions, peut-être. Il y aura un plan qui sera présenté par le ministre en charge des comptes publics, Gabriel Attal. Et donc vous allez avoir cette lutte contre toutes les formes de fraude. Je crois qu'on peut s'entendre pour dire que les fraudes, ça peut rassembler de la gauche à la droite, quelle que soit la nature. S'il y a fraude, il faut la contrôler et la sanctionner. Et puis vous avez un troisième volet, c'est... une réforme que nous devons porter sur l'immigration, qui porte sur deux volets principaux. Un, accélérer les traitements des dossiers pour des personnes qui sont en demande d'asile, parce qu'aujourd'hui, vous avez tellement de recours que vous avez des gens qui attendent de savoir s'ils auront ou non l'asile, mais qui, dans l'intervalle, ne peuvent pas travailler, donc ne peuvent pas vivre par leurs propres moyens, et qui vont recevoir, après moult procédures, un avis d'expulsion parce qu'ils ne relèvent pas de l'asile. Et deuxièmement, permettre, par exemple, aux restaurateurs de notre pays, qui en ont besoin, de faire, je vous pointe, c'est pas, je n'y ai pas de message caché, aux restaurateurs de notre pays qui en ont besoin, de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, alors qu'on connaît de vives tensions sur le marché de la restauration. Vous pensez qu'il faut une convention citoyenne sur la question de l'immigration et de l'intégration ? En fait, la loi... Les Français peuvent en débattre comme ils viennent de le faire sur la question de la fin de vie. En tout cas, d'abord, le projet de loi qui est présenté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est un projet de loi absolument indispensable, pour les raisons que je viens d'évoquer.
Après, la question que je me pose, c'est lorsque vous avez les trois quarts de la population française qui, dans les enquêtes d'opinion, estiment qu'il y a un problème avec le système d'immigration et d'intégration de notre pays, et lorsque vous avez des gens qui vous en parlent comme ça dans les territoires, avec parfois des idées préconçues, parfois des vrais problèmes, etc., est-ce que une loi en elle-même, même adoptée par le Parlement, peut suffire à répondre aux préoccupations des Français ? Moi, j'estime que sur un sujet très politique, qui concerne beaucoup de gens, qui parfois est fait d'idées reçues, de préjugés, parfois avec des questions qui sont plus fondées, sur un sujet comme celui-ci, c'est un beau thème pour lequel on peut mobiliser des Français dans le cadre d'une convention citoyenne. J'ai reçu des associations, qui sont des associations plutôt d'ailleurs de gauche, qui militent pour qu'il y ait une convention citoyenne sur ce sujet. J'ai aussi rencontré des politiques qui sont pour le coup plutôt à droite et qui en attendent peut-être un résultat différent. Nous verrons. Je ne peux pas vous dire. Ils ont déjà donné leurs conditions. Éric Ciotti l'a dit tout à l'heure. Nous, on veut la révision du code de la nationalité, le droit d'asile uniquement à la frontière, le respect strict de la laïcité à la française, notamment sur le port du voile, et des quotas, y compris pour les demandeurs d'asile. Là, si vous appliquez ce programme. En fait, Patrick Cohen, je suis en train de vous parler d'une convention citoyenne. Oui, d'accord, mais après, il faudra une majorité pour faire voter. La convention citoyenne, c'est ce qu'on appelle la démocratie délibérative. Vous permettez à des citoyens tirés au sort de poser des controverses et d'y apporter des réponses, voire de voter. Non pas pour rédiger une loi, mais pour éclairer les décisions de politique publique. Et à l'Élysée, on en pense le travail. Je n'ai pas à me prononcer sur cette question. J'ai émis cette idée, qui est une idée parmi d'autres. Ça ne veut pas dire que je suis arc-bouté là-dessus. Mais je constate juste quelque chose. C'est que cette convention citoyenne sur la fin de vie, elle a fait un boulot remarquable. Ils ont travaillé pendant 27 jours. Et on peut avoir un débat aussi apaisé sur la question de l'immigration. 184 personnes à l'arrivée. Il y en a une qui a trouvé du boulot, donc qui a arrêté. Mais ils ont intégré le principe de réalité, les contraintes, et ils ont fait ce travail-là qui éclaire la décision de politique publique et qui surtout permet de faire baisser la pression sur un sujet très compliqué comme celui de la fin de vie. Pourquoi pas ne pas appliquer cette méthode ? Pourquoi ne pas appliquer cette méthode sur des forts sujets à controverse comme l'immigration et l'intégration ? Voilà. Quelle que soit l'origine politique et quelle que soit l'issue des travaux de cette convention. Mais vous sentez que le président peut vous suivre sous cette idée pour clore Ce serait à lui, à la première ministre, d'en décider. Moi, vous savez, je ne prêche pas, et deux, je ne suis pas coutumier du désert. En général, j'ai des convictions, je les mets dans le débat public, à la place qui est la mienne, comme ministre en charge du renouveau démocratique, et j'accepterai la décision du président, quelle qu'elle soit. La politique, c'est aussi une affaire locale, et c'est l'histoire du maire de la 12e ville de la 12e France. C'est Reims. Oh ben voilà, la 13e ville de France, que vous nous racontez, ce sera Patrick dans votre édito. Le maire de Toulon, que la justice vient de priver de tous ses mandats. Hubert Falco, maire donc de Toulon, 13e ville de France. Depuis 22 ans, il avait repris la ville au Front National, réélu trois fois au premier tour. Il est condamné pour recel de détournement de fonds publics à 3 ans de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité applicable immédiatement. C'est le choix du tribunal correctionnel de Marseille qui a dégainé une sorte d'arme fatale, l'exécution provisoire de cette partie de la peine. Même s'il fait appel ? Oui, c'est sans recours, sans attendre le résultat d'un deuxième procès qui aura lieu d'ailleurs, puisque le condamné vient de faire savoir qu'il avait fait appel. Le préfet du Var va dans les prochains jours démettre Hubert Falco de son mandat de maire de Toulon et de président de la métropole. Comment le justifient les juges ? Par un devoir d'exemplarité. Le tribunal reconnaît que les détournements condamnables n'étaient pas considérables. En réalité, des frais de bouche et de pressing. Le maire de Toulon, qui a présidé le département du Var jusqu'en 2002 et où travaille encore son épouse, a continué de déjeuner gratuitement à la cafétéria. Il se faisait aussi préparer ses repas du soir dans un réfrigérateur dédié, d'où le nom de l'affaire du frigo de Falco. Préjudice estimé 64 000 euros en 4 ans. Commentaire de la présidente lors du prononcé de son jugement. Par la petitesse de vos faits, vous n'avez pas rendu honneur à votre fonction. Des écoutes ont aussi montré qu'Hubert Falco avait tenté d'alerter Emmanuel Macron et Gérald Darmanin sur son cas, sans résultat. Mais les trois juges ont estimé qu'en manquant à son devoir de probité, il n'était plus digne de sa fonction. Alors ce n'est pas la première fois. La maire de Montauban, Brigitte Barège, a été déchue il y a 2 ans également par des juges de première instance, avant, 10 mois plus tard, d'être relaxée en appel, et elle avait eu la chance ensuite de pouvoir retrouver son fauteuil. Comment est-il possible de bannir des élus sans que le jugement soit définitif ? L'inéligibilité est la règle pour les élus condamnés depuis une loi votée en 2016 après l'affaire Cahuzac. Ce que n'avait pas prévu le législateur, c'est que les juges combinent cette sanction avec l'exécution provisoire, qui est plutôt utilisée en matière criminelle pour éviter la fuite des coupables et les pressions sur les témoins,
et qu'il le fasse dès le procès de première instance. Si le couple Balkany a été déchu de ses mandats à la mairie de Levallois il y a 3 ans, eh bien cela relevait d'un arrêt de la cour d'appel. Donc après la première instance. On peut dire que la justice n'est pas la même pour tous les élus ? Ah oui, il y a même un désaccord institutionnel au plus haut niveau. C'est assez incroyable parce que si le Conseil d'État a validé ces déchéances expéditives pour les élus locaux, le Conseil constitutionnel les refuse pour les parlementaires. C'est ainsi que l'ancien patron des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini, condamné il y a 2 ans à de la prison ferme et à la privation immédiate de ses droits civiques pour des faits autrement plus graves que le frigo de Falco, Guérini coule encore des jours paisibles au Sénat en attendant que la Cour de cassation se prononce. On le voit ici, on va le voir peut-être, à la tribune de la Haute Assemblée où il intervenait il y a seulement quelques semaines. Il y a là une sérieuse anomalie démocratique dans un contexte, et ce n'est pas vous, M. Véran, qui allez me démentir, d'une sévérité toujours accrue des juges à l'égard des politiques. L'affaire de Toulon en est la preuve. Ce frigo de Falco devrait réfrigérer pas mal d'élus. Votre réaction, c'est une anomalie démocratique ? Alors, évidemment, je ne ferai aucun commentaire sur la justice, puisqu'il y a une séparation complète des pouvoirs. Le président de la République a annoncé hier une réflexion pour réformer les institutions. S'il y a des points institutionnels qui touchent à la probité ou à la façon d'exercer des peines, d'effectuer des peines quand on est parlementaire, ce sera peut-être l'occasion de se poser la question. Moi, j'ai voté depuis que je suis député depuis 2012, je crois que j'ai dû voter 3 ou 4 lois pour améliorer la transparence. On progresse beaucoup, vous l'avez dit, il y a de plus en plus de condamnations là où il y a lieu d'en avoir. Voilà, après, moi, je ne suis pas du tout choqué à ce que qu'un élu qui soit condamné ne puisse pas exercer son mandat. Je viens d'une ville, Grenoble, qui a connu une époque trouble avec un maire qui était connu à l'époque et qui, bien que condamné, continuait, condamné à des peines beaucoup plus lourdes, à des peines de prison ferme, continuait à vouloir gérer la ville depuis la prison. Je considère que la probité, elle est exemplaire, il y a un devoir d'exemplarité, voilà, point. Même sans voie de recours. On progresse. Encore une fois, là, vous m'interrogez sur des questions qui touchent à la justice et à une sanction qui vient d'être prononcée. Je n'ai pas le don. Enfin, quand bien même voudrais-je vous répondre que ce ne serait pas conforme aux usages. Le fonds Marianne, ces fonds que Marlène Schiappa a créé et qui a donné lieu à des dotations de 2,5 millions d'euros à des associations pour la lutte contre le discours séparatiste. On a vu avec des enquêtes de presse que 4 associations se sont partagées à elles seules 1 300 000 euros, dont certaines sans lien avec le but poursuivi. C'est une affaire, c'est un scandale ? À l'évidence, il faut de la transparence. On n'est pas là dans des décisions politiques, parce que vous citez Marlène Schiappa qui a créé un fonds pour la lutte contre la radicalisation. Oui, elle dit que c'est pas elle qui a choisi les associations. C'est ce qu'elle dit, et il n'y a pas de raison de ne pas la croire, puisque il y a une gestion des fonds et une attribution aux associations qui est faite par une autorité administrative. Donc de la transparence, une question se pose, de toute façon il faut être très réactif. En l'occurrence, il y a une saisine du procureur par l'article 40 et une saisine express de l'inspection générale pour que toutes les réponses soient apportées. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a porté plainte aujourd'hui. C'est son droit. De toute façon, il y aura de la transparence, puisque nous l'avons demandé, avant la demande d'Anne Hidalgo. Est-ce que Marlène Schiappa est fragilisée au gouvernement ? Par cela, je ne crois pas du tout. Enfin, elle a à part créé... d'autres choses ? Non, mais vous me posez la question, vous faites le lien entre les deux. Oui, oui. Elle crée un fonds, et ensuite ce fonds est utilisé. Ce n'est pas elle qui en a l'usage, elle ne dirige pas ce fonds. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Avec plaisir. Émilie Simon, je suis très fan, je tenais à le dire, et je suis très heureux et touché de savoir qu'elle revient avec un parce album. Que je l'avais vu en concert il y a longtemps et je crois avoir cherché sur mon logiciel, sur mon appli il y a quelques jours si elle avait réécrit quelque chose parce que voilà, l'histoire de la chanteuse, les chansons, sa musique me touche énormément. Bah, elle sera sur la scène, c'est à vous, mais je ne serai plus invité. C'est non. Le moment où vous mangez, vous avez de la musique. Exactement. Les politiques, nous, on est déjà partis. C'est dommage, mais c'est comme ça. Non, mais en revanche, on vous parle d'une histoire incroyable. Son nom est resté associé à l'histoire du rap des années 90. Guilhem Gallard, alias Pawn, membre fondateur de la Funky Family. Funky Family au Dôme se rencontre dans la légende. Pour
Faune est aujourd'hui privé de la voix que le public lui a connue. Atteint de la maladie de Charcot, diagnostiquée en 2015, il est tétraplégique, respire grâce à une trachéotomie, se nourrit grâce à une gastrotomie. Mais depuis son limite décalisée, il continue à être un artiste, communique grâce à un système informatique de navigation oculaire. C'est ainsi qu'avec le mouvement des pupilles, il a composé un album et écrit son autobiographie. Bonsoir Wahib Agalar. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir pour évoquer un peu plus loin l'autobiographie de votre mari Guilhem, paru la semaine dernière aux éditions La Thèse. Et pour la première fois depuis longtemps, ça a été l'occasion pour Pone de faire de la promo, de renouer, dit-il, avec sa vie d'avant. Sa voix, une voix de synthèse, a donc résonné ce matin sur France Inter. Bonjour à tous et à toutes. Le fait de parler à un si grand nombre de personnes me procure un sentiment étrange, moi qui n'ai plus de voix. Refaire de la promo, après tant d'années, ne fait que décupler ce sentiment. C'est un retour à quelque chose que j'apprécie énormément. Je me suis mis à nu dans ce bouquin, et ça aussi, c'est étrange. C'est une voix d'ordinateur qui n'est pas propre à celle de votre mari, et pourtant, aussi incroyable que ça puisse paraître, l'émotion passe. On sent, on entend le bonheur qu'éprouve Pone à continuer à s'exprimer malgré tout, et perdre sa voix, ne pas être compris, c'est ce qui a été le plus difficile pour lui. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui est très expressif et très direct quand il veut dire les choses. Et il s'est battu jusqu'au bout justement pour pouvoir garder sa voix, se faire comprendre. Et malheureusement avec la maladie de Charcot, forcément à un moment donné, on la perd. Vous avez fini par être la seule à continuer à le comprendre ? Sur la fin, oui. Ouais. Vraiment sur la fin avant qu'il ait la trachéotomie. J'ai été la seule à le comprendre et encore, ça a été très, très, très compliqué. Je m'aidais un peu d'un tableau, mais je voulais vraiment qu'il puisse encore continuer à articuler un maximum et s'entraîner. Sa voix vous manquait au point que vous appeliez son ancien numéro de téléphone juste pour entendre sa messagerie, son répondeur ? Qui est toujours son numéro de téléphone. Je n'ai pas coupé la ligne, elle est toujours là. Et de temps en temps, oui, j'ai besoin d'écouter sa voix, en fait, pour me souvenir de la légèreté qu'il pouvait avoir, du ton qu'il pouvait avoir, parce que la machine, c'est très froid, c'est très monotone, il n'y a pas d'émotion. Et en même temps, c'est sa personnalité aussi. C'est aussi en écoutant la voix de Pone sur son répondeur, sur le répondeur de son téléphone, que l'imitateur Marc-Antoine Lebray s'entraîne pour reproduire au plus près son intonation. Il a enregistré des heures et des heures de phrases types pour que Pone ait une voix de synthèse, mais une voix qui lui soit un peu plus propre. T'as qu'à refaire son répondeur, comme ça, genre, ça se voit mieux, tu vois que c'est pareil. C'est le bon numéro, mais pas le bon moment. Merci pour les messages. C'est le bon numéro, mais pas le bon moment. Merci de me laisser un message. C'est le bon numéro, mais pas le bon moment. Merci de me laisser un message. Ouais. Juliette, à cette heure-ci, qui avait le passeport ? Vous l'avez à cette heure-ci, le passeport ? Voilà, on est à Gaillac. On doit être à 15h au bateau. Voilà. J'avais quand même une voix de con. C'était une grande émotion la première fois que vous avez réentendu la voix de votre mari, retranscrite par l'ordinateur, mais avec les imitations de Marc-Antoine Lebray. Alors déjà, la première fois que j'ai entendu l'imitation de Marc-Antoine, il m'a fallu du temps à m'adapter parce que c'est la voix de Pone avec un physique qui est complètement différent. Et j'ai dû fermer les yeux et quand il a refait l'imitation, et là ça a été très très fort, tellement je lui disais mais on n'a même pas besoin de machine, tu te mets sous le lit et tu parles à sa place.
Pone a 49 ans aujourd'hui. Les premiers symptômes sont apparus en 2014, un an avant le diagnostic qui a été un choc. Vous racontez son chaos, son regard devenu vide. Pone raconte, page 297, nous étions arrivés vivants à l'hôpital, nous repartions comme des zombies. Alors que ma femme était au volant, je lui ai dit, ne vous acharnez pas, si je tombe dans le coma ou que je suis très mal, laissez-moi partir. Je changerai d'avis bien plus tard lorsque je réaliserai que je n'allais pas attendre la mort sans rien faire. Où a-t-il trouvé la force ? Déjà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui a cette force en lui depuis toujours. Donc, il y a ça. Il y a aussi, et il le dit, c'est nos filles. Donc, je pense que c'est la plus belle force que n'importe qui peut avoir. Et aussi, il y a sa foi aussi. Donc, je crois que les trois combinés amènent à ce résultat-là aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure, on a appris le diagnostic le 17 avril 2015. Et on se disait, ça y est, là, c'est notre vie est finie quelque part. Et hier, on était le 17 avril 2023. Et je vous dis, tu te rends compte, on est arrivé. Cette volonté de vivre, quoi qu'il arrive, Pone l'a inscrit dans ses directives anticipées. Mais il a fallu vous battre pour les faire respecter. Quand, notamment en 2017, il pèse 39 kilos pour 1m77, qu'après un arrêt cardiaque, personne ne croit en sa survie, il a fallu vraiment mener un véritable bras de fer avec les médecins réanimateurs. Faut savoir, donc, on arrive à 3h du matin, dans un service de réanimation. Pone, son état se dégrade très très rapidement. En 15 jours, il a dû perdre, je crois, 10 kilos. Plus de mal à respirer, donc il fait son arrêt respiratoire dans la nuit, on part aux urgences, on arrive dans ce service-là, je donne les directives anticipées qu'on avait remplies en avance et je remercie les médecins de l'époque de l'avoir fait avant. Et même avec ces directives anticipées, donc on est confronté d'abord à un service qui est dans l'incompréhension, de se dire, on arrive avec un projet de vie et ils se disent, mais déjà ils me traitent un peu de folle, hein, mais vous ne vous rendez pas compte. Et en même temps, mais à quoi bon ? Quel est ce projet de vie-là ? On est confronté à une maladie incurable. Quoi qu'il arrive, il ne bougera jamais. Respirer le reste de sa vie avec une trachée, avec un respi et se nourrir avec une gastrostomie. Pour les médecins, c'était, je pense que pour eux, en tant que médecins qui sont formés à la guérison, c'est pas naturel pour eux. Donc on a dû quand même se battre avec le service, mais comme je dis, quand même, on a eu la chance de rencontrer le chef de service qui a compris et du coup, et qui a pu un peu petit à petit, avec quand même des intervenants extérieurs et qui ont expliqué au reste du service et petit à petit, ils nous ont, moi en tout cas, ils m'ont accepté parce qu'ils ont eu du mal aussi à m'accepter dans le service et à comprendre le projet. À sa sortie de réanimation, il a une obsession, donc il a la rage de vivre, mais il veut plus, il veut être heureux. Et pour ça, ça passe forcément par la musique. Donc avec sa machine de navigation oculaire, il arrive à composer. Donc au début, une boucle, petit à petit, ce qui est un miracle. Hein. Il arrive à faire des morceaux. Et il va se mettre à composer tout un album en 2019, avec ses yeux, un album consacré entièrement à la chanteuse anglaise Kate Bush, qui l'a toujours fasciné, et ça donne ça. Cet album, c'était une première mondiale. Pone a décidé de le diffuser gratuitement sur Internet. Il ne voulait pas le vendre pour envoyer un message d'espoir. Et finalement, c'est lui qui a reçu un message. Kate Bush, en personne, elle lui a fait part son admiration et elle lui a donné l'autorisation de vendre cet album afin de récolter des fonds pour son association caritative. Kate Bush qui signe d'ailleurs la préface du livre. C'est quoi le projet caritatif ? Vous pouvez nous en parler ? Le projet caritatif, en fait, c'est qu'on a monté une association. Donc, qui a pour but de former les soignants et les aidants justement à accompagner les patients qui sont lourdement appareillés à domicile. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas. Il faut savoir que c'est des patients qui ont besoin vraiment d'un accompagnement très spécifique et même le corps soignant aujourd'hui ne connaît pas forcément très bien la maladie de Charcot, ne sait pas comment aborder cette pathologie et les soins.
Et il y a un grand vide. Donc du coup, on s'est vraiment axé sur ça. Un peu plus loin, ce projet de vie, donc, cette autobiographie, elle est disponible depuis la semaine dernière aux éditions Lattès, un livre dans lequel vous dites l'un et l'autre votre bonheur et votre joie de vivre. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir notre invitation. Merci beaucoup. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Merci. Mohamed, vous nous racontez le sauvetage miraculeux d'une skieuse restée bloquée 4 nuits sous la neige. Oui, elle s'appelle Aurélie Dutertre. Elle a 46 ans. La semaine dernière, cette passionnée de montagne qui a déjà gravi le Mont Blanc et le Kilimandjaro part seule faire un raid de 3 jours à ski dans le massif de Belden, près de Grenoble. Le premier soir, elle décide de passer la nuit dans un refuge minuscule de 4 mètres carrés situé à 2130 mètres d'altitude. Elle raconte Anaïs Recouli et Valentin Tibier. C'est vraiment dans un état lamentable, c'est-à-dire que c'est trempé à l'intérieur. Du coup, bon, bah, y a un matelas mais qui est tout mouillé. Et je me dis, bon, bah, pour cette nuit, ça ira bien. On va attendre que la tempête passe et il y a un petit créneau météo vendredi matin et je poursuis ma course vendredi matin. Et en effet, il y a eu le créneau météo, mais j'étais déjà enfermée dans ma cabane, je ne pouvais plus sortir. J'avais mon petit réchaud, donc j'ai pu me faire chauffer un peu de neige pour manger mes repas lyophilisés, nettoyer aussi, même si ça paraît surprenant de faire ça. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime bien la structure. Et je me disais, il faut que tout soit carré, en fait. Et ça ira dans le sens de ton mental. Lors de la deuxième nuit, il se remet à neiger. Il y a désormais 2 mètres accumulés de neige devant la porte de sa cabane. Son téléphone ne capte pas, les vêtements sont trempés et les températures sont négatives. Même s'il lui arrive de s'imaginer mourir dans cette petite cabane, Aurélie s'accroche. Il y a quand même 3 fois où je suis devenue hystérique, je pense, où j'ai commencé à hurler au secours », ce qui est complètement idiot parce qu'il y a personne qui peut t'entendre. À pousser sur la porte comme une dingue pour essayer de l'ouvrir en me mettant assise par terre, en poussant avec mes 2 jambes de toutes mes forces. Mais sinon, la plupart du temps, j'ai essayé de garder mon sang-froid en me disant bah, « De toute façon, ça sert à rien de te mettre dans un état comme ça, ça fera pas avancer les choses. » Et ce qu'il faut là, c'est que tu arrives à économiser ton air, ta nourriture, ton eau et voilà, garder ton mental fort pour que ça dure le plus longtemps possible, quoi. C'est la lecture du livre « La vie devant soi » de Romain Gary qui l'aidera à garder le moral alors qu'elle n'a plus aucune perception du temps. Mais son compagnon, lui, inquiet de ne pas la voir redescendre comme prévu au bout de 3 jours, lance l'alerte. Les secours pensent alors à une avalanche, mais la météo est mauvaise et complique les recherches. Finalement, au 4e jour de la disparition d'Aurélie, les secouristes profitent d'une petite éclaircie pour survoler en hélicoptère le massif de Belden. Grâce à une idée extrêmement astucieuse, Aurélie va se faire repérer. J'entends au loin, mais pas venir sur la cabane. Donc là, je me dis, bah là, t'es vraiment dans la merde, hein, parce que du coup, s'ils viennent pas au-dessus de la cabane, ils pensent que t'es pas dans la cabane. Là, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre un autre petit bout de couverture de survie. Alors, il fallait pas non plus que je la déchire en miettes, parce qu'elle me permettait aussi de m'isoler du froid. Et en fait, je l'ai glissée dans l'interstice de la porte. Elle s'est envolée et ils l'ont vue juste avant de repartir. Et ils m'ont dit, c'est grâce à ce petit bout de couverture qu'on a su que tu étais là. Parce qu'on n'aurait jamais pensé que tu étais là. L'aventurière s'en est tirée avec une légère hypothermie et quelques écorchures. Cette ostéopathe de profession sait qu'elle est une miraculée libérée de sa cabane. Aurélie reconnaîtra deux de ses copains parmi les sauveurs qui ne pensaient pas la retrouver en vie. Depuis, elle a prévu de remercier ses secouristes à sa manière. Elle dit que s'ils voulaient venir au cabinet, ils auraient une séance d'ostéo gratuite. Voilà, alors je pense qu'ils vont être très contents d'avoir cette petite séance parce que c'est un métier quand même difficile, physique. D'ailleurs, on parlait de pénibilité au travail, mais eux, justement, c'est un métier qui n'est pas facile. Mais bon, ils partent tôt en retraite. Hein. Dépassé 4 jours, il est très très rare de retrouver des survivants en montagne. Aurélie est une miraculée. Merci Mohamed, à l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous. Après son allocution d'hier soir, le président de la République s'est offert une petite balade dans Paris. Oui, promenade dans la capitale, dans le 6e arrondissement, avec son épouse, lorsqu'Emmanuel Macron a croisé de jeunes chanteurs, des membres de l'association Projet Canto, on va en parler. Le président s'est joint à eux pour quelques notes. C'est vrai ?
Et comment vous connaissez cette chanson-là? Vous ne connaissez pas cette chanson, vous voulez. On chante avec vous alors. Vous allez bien? Qu'est-ce qu'on chante vous-même? Le refuge, on reprend le refuge. Allez, faites-moi un couplet du refuge. Allez. C'est en réalité un chant pyrénéen, le refuge, on devait l'entendre d'Edmond Duplan, chant que le président affectionne particulièrement. Il l'avait d'ailleurs chanté en marge d'une étape du Tour de France dans les Hautes-Pyrénées l'été dernier. Il s'y était déjà essayé. Simplement, Olivier Véran, quelques minutes après son allocution, et alors qu'on commente ses propos encore sur les plateaux télé, qu'il y a des manifestations partout dans le pays, est-ce que ça n'a pas un côté décalé? Vous avez le président de la République déjà, donc vous pouvez voir qu'il est dans Paris, dehors, qu'il est en promenade, je crois qu'il est avec son épouse, c'est son droit en fait de sortir de l'Élysée, il tombe sur un groupe de jeunes qu'il invite à chanter, enfin je dirais que l'anomalie, sans être provoque, c'est peut-être qu'on commente sur les plateaux télé en fait des images tournées par d'autres. Alors nous avons contacté l'Élysée qui nous a répondu, après son allocution, le président s'est accordé un moment avec son épouse, alors qu'il marchait dans Paris, ils ont été interpellés par un groupe de jeunes en train de chanter. Ils n'étaient pas au courant qui ont demandé au président s'il pouvait les rejoindre, il les a alors rejoints pour une chanson pyrénéenne qu'il affectionne et connaît. Il ne pouvait connaître à ce moment-là, c'est juste les antécédents de chaque personne avec laquelle il discutait. Et si l'Élysée prend soin de préciser, c'est que ces jeunes sont des membres du projet Canto, une application qui promet de recenser, compiler, numériser des chants traditionnels. Et vous le voyez sur leur site, ils mettent en avant le soutien du ministère de la Culture. Sauf que cette association a fait l'objet d'une enquête il y a quelques mois. Vous le savez peut-être, au mois d'octobre, le journal Libération parlait d'une subvention de 40 000 euros du ministère, alors que l'application elle-même, on trouvait des chants du Troisième Reich. Un des créateurs de la plateforme serait même issu du GUD, l'organisation étudiante d'extrême droite. Les chants nazis ne sont plus sur le site, on a regardé, on y trouve encore ce que vous allez voir à l'écran, la Cara al Sol, hymne de la Falange espagnole, mouvement fasciste. La Cara al Sol est considérée comme un symbole du franquisme. Est-ce que oui, les contribuables payent encore une subvention de 40 000 euros pour cette association? Pardon, par contre, on est d'accord qu'on ne fait pas mauvaise querelle au président qui chante avec des... D'accord. Sur le fait que cette association... On en est, vous savez, en ce moment, dans la vie politique, Olivier, dans la vie publique. Il l'a croisé par hasard, il y avait une chanson qu'il connaissait. D'accord, aucun sujet. Honnêtement, je ne sais pas du tout vous dire. Je sais beaucoup de choses comme porte-parole, mais alors les subventions accordées par les ministères à des sites internet, je ne sais pas si c'est une plateforme où les gens mettent eux-mêmes les chansons ou si c'est la plateforme qui la met. Enfin, je ne sais pas vous répondre. Les chansons, bon, au gouvernement, c'est juste... Je pense qu'on va regarder ça. On va regarder ça de près. Vous voyez venir aussi. Mais voilà. Mais après, donc, on est d'accord qu'il n'y a pas de polémique avec le président, là. Non, non. D'accord. Peut-être une question, cela dit, d'argent public qui va sur une association qui... Ah oui, non, mais vous pouvez avoir de l'argent public qui va à des associations qui ne respectent pas les chartes de la laïcité ou qui ne respectent pas les règles, les valeurs de la République, auquel cas, en fait, il y a du contrôle de la sanction et ça peut aller loin en termes de sanctions. Donc, bien sûr. Et il doit y avoir, je ne sais pas combien, d'associations, ça doit se compter, j'imagine, Patrick Cohen a peut-être le chiffre, parce qu'il sait plus de choses que moi, mais non. Il y a peut-être des centaines de milliers d'associations, en tout cas des dizaines de milliers, qui reçoivent des subventions publiques, et voilà, heureusement qu'elles fonctionnent, pour la plupart, correctement. Les enfants passent trop de temps devant les écrans. Et alors, Olivier Véran va changer d'ambiance, vous allez nous dire si vous reconnaissez ça. Bien sûr. C'est évidemment le générique du dessin animé Pas de Patrouille. Ils sont passés par là. C'est pas si récent, Pas de Patrouille. Ça fait quelques années. Et les objets dérivés aussi. Vous avez pas eu ça? Un objet Pas de Patrouille. Il y a qu'à voir comme quelques notes de générique d'un dessin animé font parler les parents, les enfants, des bébés, même parfois, qui sont, et là c'est plus problématique, scotchés devant les écrans. Là c'est une alerte sanitaire. Il y a quelques jours, Santé publique France nous apprenait qu'un enfant de 2 ans passe 56 minutes en moyenne devant un écran. Chaque jour, à partir de 5 ans et demi, on monte jusqu'à 1h34 en moyenne. Louis Amar et Audrey Payas ont rencontré la pédiatre Sylvie Diozica hier. Elle a publié Les écrans, mode d'emploi pour une utilisation raisonnée en famille aux éditions Hatier. À l'hôpital Jean Verdier de Bondy, elle tient la seule consultation hospitalière sur la surexposition aux écrans. Et ce qu'elle nous dit n'est pas franchement rassurant. On voit des enfants qui sont 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour et dès l'âge tout petit de 6 mois, 7 mois, et qu'on utilise cet écran pour le calmer, pour le faire manger, pour le faire dormir. Les parents, on leur a fait croire que l'enfant pouvait apprendre une nouvelle langue, que ça pouvait être pédagogique. Dans les applications actuelles, dans les plateformes actuelles, dans la télévision, le programme télévisé actuel, il n'y a rien de pédagogique pour des enfants petits de moins de 5-6 ans. Un enfant, il apprend si on lui parle et qu'on est en interaction. Donc on voit des retards de langage, voire des absences de langage.
On voit des enfants qui font l'alphabet, qui font 1, 2, 3, ou qui font les couleurs en anglais parce qu'ils ont entendu à répétition pendant des heures ce genre de choses et qui ne sont capables que de cette répétition et qui ne comprennent rien à ce qu'ils disent. Nous avons pu assister à une consultation ensuite, en l'occurrence un papa venu avec sa fille de 4 ans et demi qui accuse des retards au niveau du langage. Allez, viens, regarde, c'est une pièce là où il y a des jouets. Ma fille, elle a un retard de langage. Oui. Elle a commencé de quelques mois, à l'âge de 1 an et quelques mois, 2-3 mois. Après, elle s'est arrêtée complètement. Vers 18 mois, 2 ans, il n'y avait plus de mots, c'est ça ? C'est ça. Il y a une chaîne sur YouTube Kids. YouTube Kids, oui. Les Titounis. Les Titounis. Eh oui. On tombe souvent dedans, oui. Et c'était quoi, l'alphabet ? J'ai été surpris qu'à l'âge de 2 ans... Elle connaît tout l'alphabet. Et comment elle était devant les Titounis ? Elle avait du mal à s'arrêter ? Si vous enleviez l'écran, c'était compliqué ? Une crise. Voilà, une crise. L'exposition aux écrans trop tôt et trop longtemps a mis en difficulté votre fille pour être capable de bien avancer dans ses apprentissages. Donc tout ce qui est en rapport avec le numérique, il faut faire en sorte que ça ne se répète pas. Donc on ne parle pas de l'alphabet. Je vous rappelle, là, on ne l'a pas dit. L'alphabet, ça s'apprend à 6 ans. Donc si elle refait l'alphabet, monsieur, il ne faut plus parler de l'alphabet. À son âge, elle doit apprendre des mots et des mots et des mots. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'une infirmière garde l'enfant, évalue sa motricité et son langage pendant que la pédiatre échange avec les parents. Et je voudrais profiter du sujet pour reprendre les recommandations de Santé publique France pour protéger ses enfants. Avant 3 ans, pas de télé. Avant 6 ans, pas de console de jeu. Pas d'Internet avant 9 ans et pas d'Internet tout seul avant 12 ans. On le répète depuis des années et ce problème est en croissance, Olivier Véran. Est-ce qu'on va devoir sanctionner les parents ? Est-ce qu'on peut imaginer ce... Vous voulez que je vous dise les problèmes qu'on a avec ça ? Un, exposition effectivement trop précoce des bébés, des nourrissons et des petits aux écrans. Deux, une catastrophe d'addiction en fait aux écrans. C'est tellement plus fun d'aller sur des applis, sur son téléphone, et d'essayer même parfois d'y apprendre des choses que d'écouter la maîtresse. Le numérique a du bon dans l'apprentissage, il ne faut pas tout jeter, évidemment. Et mes enfants regardent des dessins animés, etc. Par contre, l'addiction aux écrans... Mais comment on fait pour les protéger ? Déjà, je pense déjà qu'il faut, il faut une régulation très forte. Je ne crois pas vous dire de bêtises en vous disant qu'il y a plus de spécialistes des sciences cognitives pédiatriques dans certains grands groupes de maisons de jeux vidéo qu'il peut y en avoir dans les instituts de recherche français. Donc, à un moment donné, il faut aussi se rendre compte que tout est fait pour rendre les gamins dépendants aux écrans. Donc il y a de la prévention, il y a des messages de prévention collective, le rôle des enseignants, des parents, mais il faut vraiment qu'on se bouge là. Je vous le dis. Bougez. Mais collectivement, vous savez, tout n'est pas la question du gouvernement. Une fois qu'on donne les infos, il faut que les parents puissent. Merci Patrick. Il me fait signe, il faut rendre l'antenne. Bah, j'ignorais qu'il fallait rendre l'antenne. À dans un instant avec Marie-Christine Barrault, Émilie Simon, L'œil de Pierre, Le Vu et les actualités de Bertrand. À tout de suite. Merci Olivier Véran. Merci à vous.